Enfin, quand je peux inviter une personne, enfin plusieurs personnes. Il coûtait pas cher. C'est le jeu de la vie. Hein. Le jeu de la vie. On va mettre 10 minutes, hein, parce qu'après. Oui, on va ajouter un CPU parce que. Là, le jeu là, il faut que tu choisisses déjà un. Faut que tu ailles manger. Au CQ. Faut manger au CQ, il va manger des frites, mais c'est pas conseillé de manger des frites. Après, tu te rends à l'agence pour l'emploi, toi, c'est. Et tu peux devenir un vendeur. Mais vaut mieux travailler au KFC. Là, tu es un cuistot. Hop, tu peux retourner. Genre, tu peux retourner ici. Et tu gagnes un peu de thunes. Après, si tu as envie de monter en salaire, tu t'éduques. Là, j'ai plus assez de temps. Hop. Et je retourne chez moi. Il a choisi l'éducation, lui. Comme ça, il va apprendre de travail ici. Alors là, t'as plusieurs trucs. T'as le moral, enfin, t'as l'argent, t'as la santé, t'as l'éducation, morale. Là, t'as des petits. Voilà, alors, membres de X-Mec. Ce week-end, vous avez essayé de rejoindre les X-Mec, mais vous avez échoué à l'examen écrit. En outre, il semblerait que pouvoir péter l'hymne national n'est pas véritable. Un véritable super pouvoir. Péter l'hymne national, c'est pas terrible, quoi. Va retourner à l'école. Va essayer d'avoir le. Voilà, on a un diplôme. Après, on peut en choisir un autre, hein, bien sûr. Université. Là, on peut aller se détendre. Ah ben non, on n'ira pas se détendre du coup. Que plus tu marches, plus le temps passe. Aussi, il va s'éduquer. Conflit cosmique. Vous avez découvert que les extraterrestres avaient envahi la Terre. Ah ouais. Et prévoyez de la conquérir ce week-end. Ouais. Vous avez déjà découvert que ça. Cette fois-ci, c'est juste une émission de radio. Super le mec. Alors on va aller acheter. Voilà, au centre commercial, on va acheter un animal. Je vais acheter un chat. Après, il faut lui donner à manger au petit chat, bien sûr. Et après, on va aller se détendre, tiens. Ah ben on peut pas, on n'a pas assez d'argent. On va retourner travailler, du coup, on va récupérer un peu de thunes. Hein. Voilà. Comme dans la vraie vie, t'as pas assez d'argent, bah voilà. D'ailleurs, les spectacles, c'est fermé en ce moment. Bah, lui, il veut vraiment avoir un travail un peu mieux que le mien, quoi. TV Killer, The Great Show Start. Star de radio préférée. Oh purée, ce week-end quand sa collection de télévision ancienne lui est tombée dessus. Ok. C'est l'heure de payer le loyer. Ouais, ok, on va les payer. On va s'occuper de l'animal. Là, il y a un petit 3, ça veut dire qu'il a 3 jours pour manger. Ah, là, j'ai payé. Mais j'ai payé, mais j'ai pas assez. Je travaille. Là, si je mange pas, ben c'est pas grave. Hein. Voilà, super. J'ai payé le loyer. Enfin, là, on va aller à la maison, puis on va se détendre. Il y a 10 tours, hein, ça va. Il y a 10 tours, c'est rapide là. Hein. Parce qu'après, tu peux jouer vraiment. Et de manger. Il faut payer son loyer. Hein. Faut pas déconner. Hein. Là, 10 tours, c'est pas terrible, 10 tours, parce que t'as pas le temps de voir complètement le jeu, quoi. Paye son loyer.
Oui, mais il n'y a pas d'argent, monsieur. T'as pas d'argent. Faut que t'ailles bosser pour de l'argent. Bosse pas, t'as pas de pognon. Paris en ligne. Wouh. Vous avez passé le week-end à jouer des petites mises au solitaire. En ligne. De casser la baraque. Et j'ai oublié de manger. Je sais, j'ai oublié de manger. Je sais. Voilà, on va manger. On va retourner à la maison. Hop. Le jeu devient vraiment intéressant quand tu joues en une partie longue, hein, comme je disais. Hein. Voilà, voilà. Les frites. Oh, les frites. On va faire observer les oiseaux. Prenez des vacances. Ils ont dit. C'est relaxant qu'ils ont dit. Ah, j'ai besoin de nouveaux vêtements. Je vais me retrouver à poil en fait là. Ça continue. Alors là, je vais aller. Centre commercial. Je vais acheter des nouveaux vêtements. Je vais acheter. Ça, c'est très bien. Je vais retourner. Ah bah merde, centre commercial. Attends. Faut que je rachète de la nourriture pour mon chat. Ça sera mieux. Après, on va aller à Pôle emploi. On peut faire caissier si ça paye un peu plus cher. Et je vais retourner bosser. Et voilà. Bing! Plus du plagiste. Lui aussi, il a besoin de vêtements. Payé un peu plus cher que moi. Hein. Tac. Bah pourtant j'ai mangé. J'étais submergé de la joie lorsque le sentiment d'une brève sécurité financière vous a assailli. Mais la panique s'est installée parce que vous avez réalisé que l'argent allait finir par s'épuiser. Bah oui. Pognon, hein. J'ai des frites. J'ai des frites. Qui est possédé? Tu peux aussi faire des transactions et tout. Alors, voisins d'enfer. Ce week-end, vos voisins se sont avérés être adorateurs du diable quand ils ont accidentellement convoqué un démon de feu dans votre appartement. Super. C'est l'heure du loyer. De criminalité. Acheter un gris de pain. Tourne à la maison. Et on se détend. Que l'autre, il va être meilleur que moi, il va gagner. Cool quand t'as un loyer à payer. Ouais. McDonald's. Dami. Ouais, j'étais cambriolé. Il a volé mon grille-pain. Oh le salaud. Oh le salaud. Maîtrise alchimique. Ce week-end, nous avons encore essayé de faire de l'or avec ces petits animaux bleus. Avec un bonnet blanc qui ont envahi votre jardin.
Hop, purée. Ils m'ont volé mon grippin. Les salauds. Bah moi je vais m'acheter une bouilloire du coup. Et chez moi. L'autre il a une meilleure éducation que moi, hein, largement. Beaucoup de thunes en plus. Et lui on lui l'a pas volé. Hein. Il l'a pas volé lui. C'est dégueulasse. Semaine, allez hop, meilleur ami, chaque week-end, c'est un week-end anniversaire avec votre meilleur pote. Purée, je suis un peu deg quand même. Hein. Et là, c'est la fin. Il est plus friqué que moi, hein. Ça c'est sûr. Et voilà, c'est la fin. Bon, c'était une partie rapide, hein, bien sûr. Enfin, qu'est-ce qu'il est bien habillé, mon mec. Non mais là c'est mort, je suis pas premier. C'est un petit animal. Faites le plus d'exercice. Et voilà, travaillez le d'heure. J'ai que des combos ours. Et il a gagné. Gagné. Bien sûr, c'est plus intéressant quand tu joues avec des êtres humains qu'avec l'IA. Voilà, voilà. Eh ben, Papier Cul, c'était toujours là. Je te souhaite un bon live tout à l'heure. Peut-être que je passerai. Et puis, ben, je te souhaite un bon réveillon aussi. Puis, on se reverra l'année prochaine. Et salut!